Salut tout le monde, c'est Néométrix, on se retrouve pour l'épisode 2 du Top Action Légende. Cette fois-ci, un épisode spécial réservé à quelques bonnes actions en ESL, en Versus, sur le site d'eSports. On se retrouve donc pour ce premier clip sur route de Téhéran, en Versus 5 contre 5. Évidemment, toujours en conquête, petite conquête sur la map route de Téhéran. Je joue avec la M16. Le canon lourd et la poignée, et vous allez voir que grâce à une excellente communication, encore une fois, je vais réussir à capturer un drapeau. Et vous savez évidemment que la capture de drapeau est le point le plus important dans un match. Évidemment, l'équipe qui possède le plus de drapeaux fait descendre les tickets le plus rapidement à son adversaire. Je me retrouve donc ici dans le préfabriqué bleu, un point de spot idéal, très convoité en match, et grâce à la communication avec Abel qui se retrouve sur le point C, je vais décider à un moment donné de descendre de mon préfabriqué. J'y vais, je fonce sur le point B, Abel me dit que le point est libre, je fonce donc sur la camionnette en feu qui se retrouve en plein milieu de la route, très très exposée, mais évidemment, la communication avec Abel va se faire sans problème. Il va me repérer les ennemis qui m'arrivent dessus. Obit respawn sur moi pour m'aider à capturer le point B. Si on capture ce drapeau, on sera favori dans ce match. Je tue un premier ennemi sur la route. Obit se fait descendre derrière le camion. Je décide de contourner. Je tue un premier ennemi complètement au jugé. Je réanime Obit. Et grâce à une excellente communication, encore une fois, Obit me prévient du deuxième ennemi que j'arrive à éliminer sans problème pour défendre mon drapeau. Et pour la deuxième partie de ce Top Action Légende épisode 2, je vous propose de regarder un début de match plutôt pas mal de nouveau. Je joue avec la M416, mais cette fois-ci on est sur Grand Bazar, toujours en conquête en versus 5 contre 5, on laisse un de nos alliés sur le point C, tandis que moi je fais le bac par la route de droite pour prendre le point B. Deux de mes alliés prennent par le middle, moi je prends par ce qu'on appelle le petit bac, et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. J'ai spot un premier ennemi à la sortie du B, je l'élimine sans problème, et encore une fois grâce à une excellente communication, Obit me prévient d'un deuxième ennemi que j'arrive à éliminer sans problème. Il l'avait vu partir par le petit bac. Je rentre dans la chicha. Et là, heureusement, mon ennemi était en train de recharger. Je l'élimine sans aucun problème. Et on prend le point B. Voici enfin le dernier clip de ce Top Action Légende épisode 2. Je suis en train de mettre la pression sur le spawn au niveau du pont quand je vais recevoir une information cruciale. Et encore une fois, grâce à une excellente communication, on me fait parvenir l'information qu'on perd le point B. Je décide donc de faire un bac au niveau de la chicha, et vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. J'élimine un premier ennemi, réflexe, j'élimine le deuxième ennemi. On reprend le point B, juste le temps pour moi de récupérer quelques points de vie et de recharger mon arme, et je repars directement par la sortie chicha au niveau du pont pour aller remettre directement la pression sur l'équipe ennemie. Vous allez voir que ça va plutôt bien marcher. Au moment où j'arrive sur le pont, deux ennemis traversent la route. Je les élimine sans problème puisque c'est un spot extrêmement bien placé. Et c'est grâce à cette dernière action que la Team Legend contrôle les trois flags et par la même occasion contrôle complètement le match. C'est la fin de ce deuxième épisode du Top Action Légende. J'espère que vous avez apprécié le gameplay. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode du Top Action Légende. Salut !